Je suis Khaled Hadjbelghassem, cofondateur de Daryl Project. Je suis Philippe Auton, cofondateur de Daryl Project. J'ai grandi dans le nord-est de la France et je suis venu sur Narbonne spécialement pour lancer ce projet avec Philippe. On s'est rencontrés à Nancy lors d'une formation développeur informatique. On a fait le tour des pépinières, on a présenté notre projet à tous les gens qui étaient susceptibles de nous suivre. Ici, ils se sont dit, dans ce projet, il y a quelque chose qui peut amener très loin, qui peut changer la façon de travailler en informatique. Et c'est les seuls en fait qui ont eu cette réaction-là par rapport à notre projet. On s'est revus plusieurs fois avant l'intégration à la pépinière. Et surtout, ils ont balisé le terrain pour nous dire voilà jusqu'où vous voulez aller, on l'accepte, on est prêt à prendre le risque avec vous et on va vous aider à arriver jusqu'à ce point. On nous aide à monter les dossiers, on nous suit justement dans des choix qu'on peut avoir avec des clients, on nous suit aussi sur des choix techniques, on peut exposer nos choix techniques à l'équipe d'Innoveum. Personnellement, je suis guitariste dans un groupe de rock qui s'appelle Endless, qui est un groupe narbonnais. Ça m'a permis de rencontrer des gens ici. Il y a le hangar, donc le hangar musical, qui est une super structure sur Narbonne, qui nous permet d'aller répéter, d'amener juste les guitares, de brancher et de commencer à jouer tout de suite. Et ça, c'est un plaisir voilà, de sortir du boulot, d'aller faire de la guitare, d'aller à la plage, qui est aussi tout près d'ici, à 10 minutes à peine. On se concentre sur le projet à 100%, et une fois qu'on est sorti, on peut tout de suite se vider la tête et changer complètement d'environnement en quelques minutes. Donc, c'est ici qu'on a senti les gens les plus enclins à prendre des risques pour nous suivre. C'est vraiment des experts en innovation. Il n'y a pas de doute là-dessus.